Les abonnés guyanais d'EDF ne savent plus s'il faut en rire ou être consterné. Hier, pendant 8 heures, plusieurs quartiers de Rémiremont-Joly ont été plongés dans l'obscurité. Le fournisseur sollicité pour une interview et s'expliquer est aux abonnés absents et se contente d'un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Communiqué dans lequel il attribue la panne à 3 défauts de câbles simultanés. En avril dernier, déjà, le syndicat majoritaire à EDF dénonçait l'état du réseau. On a un problème de maintenance, d'investissement au niveau du réseau. Ça reste le parent pauvre à l'heure actuelle dans la politique industrielle d'EDF Guyane. Il y a urgence, vraiment urgence, qu'on investisse et qu'on remette du moins au niveau du réseau. Kourou, elle aussi, a été privée d'électricité hier soir entre 22h10 et 23h10. L'origine, un incident sur un câble souterrain. Une nouvelle panne dans la longue liste des défaillances d'électricité de France. Nous vous devons plus que la lumière, c'est le slogan de l'entreprise. On aimerait juste avoir de la lumière. Suivez l'info sur Guyane la Première.